micro est un peu bas, donc je ne vais pas le prendre. Ah non, c'est vrai, je peux l'enlever. Non, mais en fait, vous m'entendez? Ah oui. Oui, oui. On va la jouer acoustique, c'est trop bon. C'est une composition de Michel Godard que nous venons de vous jouer, qui s'appelle Kira Kiralina. Et le morceau suivant est une composition d'Éric Seva. Et je vous laisse en compagnie d'Éric Seva. Bonjour. Bonjour. C'est une composition que j'ai écrite il y a quelques années, qui est issue d'un folklore très français qui s'appelle la valse musette. Et voilà, enfant, les premiers contacts avec la musique étaient par le bal populaire avec mon père, parce que je faisais des bals populaires pour faire danser les gens, à une période où les gens dansaient encore à deux. Ça a un peu changé maintenant. Ils dansent tout seuls, les gens. Donc voilà, c'est un hommage à une rue qui s'appelle, pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne, qui s'appelle la rue au fromage, dans un patelin qui s'appelle Rosay-en-Brie. Et mes parents avaient un dancing qui s'appelait le chien assis. Et le trajectoire de la rue au fromage, au chien assis, machin. Donc c'est une valse musette, qui, comme le disait très bien Toots Thielemans, la valse musette, c'est le blues français. Comme le fromage. Comme le fromage. Thank you.
Thank you.
Thank you.
D'accompagner pendant 8 ans. Il s'agit de Stéphane Grappelli. C'était quand je l'ai rencontré, c'était déjà un vieux monsieur puisqu'il avait plus de 80 années. Il était absolument succulent, plein d'humour, malicieux, et il avait une petite manie. Il appelait toutes les personnes plus jeunes que lui, il avait l'habitude de les appeler, de les affectueusement, de dire mon petit lapin, comment ça va mon petit lapin. C'était sa marque de fabrique. Donc comme à peu près 99% des personnes qu'il rencontrait étaient plus jeunes, ça donnait beaucoup de petits lapins. Et
Moi, j'étais vraiment un tout petit lapin à l'époque. Et donc, ce morceau, forcément, s'appelle Mon petit lapin. Thank you.
Thank you.
s'appelle Sous-bois. C'est une de mes compositions. Et le morceau suivant était également une de mes compositions. J'ai appelé ça De fil en aiguille. Thank you.
Eric Seva. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe du Triton. Merci à vous. Merci d'être venu nous écouter. On va vous quitter avec un morceau de ma composition qui s'appelle Choro devant. Thank you.
Qui a malheureusement fermé parce que Nasser, le copain algérien qui tenait ce café pendant 40 ans, est parti en retraite. Et c'est un café dans lequel nous avons commencé, Picard, moi-même, avec des musiques en tout genre. Voilà, on le prêtait la veille pour des fois le jouer le lendemain. Un concert un peu plus officiel. Et ça allait du baroque jusqu'au
part de baroque. Voilà. Donc le Lucullus, voilà, c'était pour ceux qui connaissent ça. Eh bien, c'était en face du cirque, petit bar. J'ai écrit ce morceau pour la cérémonie de fermeture. Nous étions une dizaine de musiciens. Ça a duré très tard. Thank you.
Thank you.